Être proche des populations de sa circonscription, les entendre, écouter leurs doléances, rendre compte de ce qui se fait et se dit à l'Assemblée nationale, c'est autant de choses que le député du premier siège du 3e arrondissement a échangé avec son électorat. Je suis aujourd'hui à la vallée de Montagne-Sainte pour déjà informer les populations du travail fait pendant la session qui vient de se terminer et déjà écouter les populations de la vallée de Montagne-Sainte, les différentes doléances de ces populations, sachant que dans la vallée Montagne-Sainte, plusieurs voies vont être ouvertes. Il y a un gros chantier qui va se faire dans les prochaines semaines. Parlant du déguerpissement des populations du quartier Montagne-Sainte-Vallée, le député rassure de leur réinstallation en lieu sûr. Les populations ont été préoccupées par rapport au déguerpissement. Les populations ont été indemnisées. Toutes ont été indemnisées, personne ne peut dire qu'elles n'ont pas été indemnisées. Certaines populations n'ont peut-être pas encore reçu leur titre de réservation de terrain, mais cela va se faire parce que le ministre des TP, le ministre gambien, est très préoccupé par cette situation. Nous sommes en contact et j'ai rassuré les populations qu'elles partiront, mais elles auront un titre de réservation de terrain. Davantage échanger, communiquer, informer les populations des décisions qui se prennent au sommet de l'État est l'une des missions de Vincent de Paul-Gondjou.